like you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo test sur la marque Catrice, la marque allemande que je suis allée dénicher à Pearl, dont je vous mettrai la vidéo ici si vous voulez voir le haul où vous verrez tout ce que j'ai acheté en fait de la marque Catrice. Donc là j'ai pris un petit peu une compilation de teint, yeux, lèvres que j'ai mixé pour en faire donc ce make-up du jour. Voilà. Et donc, si ça vous intéresse de voir la tenue, enfin, le tuto et la tenue ensuite sur cette vidéo du soir, comme je fais d'habitude sur les vidéos tests, bah écoutez, restez avec nous. Je vous embrasse.
Ben ouais, les filles, là je reviens donc pour le bilan crash test de la marque Catrice. Donc ben écoutez, là il est plus de. Là il est minuit moins le quart. J'ai eu encore une très grosse journée, donc du coup c'est justement sur le long terme qu'on peut voir l'efficacité des produits. Donc ben, on va regarder tout ça ensemble. Donc le fond de teint, ben, je brille à mort quoi. Donc All Matte Plus, ouais. Je pense que la poudre matifiante n'a pas forcément duré énorme. Je brille ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je n'ai vraiment rien touché. Pour qu'on ait un aperçu global. Bon, c'est pas encore très flagrant, c'est parce que là vraiment j'ai le spot qui fait qu'on voit beaucoup, quoi. Mais c'est vrai que bon, c'est que la zone T qui pose problème. Je pense que la poudre matifiante, elle n'a pas fait aussi bien son job que ça. En même temps, comme je dis, hein, j'étais maquillée ce matin vers 9-10 h et là on est quand même plus de minuit, donc ouais, ça fait quand même ouais, 12 à 14 h. Hein. Donc, vu que le fond de teint prévoit 8 heures de matité, je dirais oui. 8 heures, ouais. Mais plus, non. Vous le voyez bien d'ailleurs. Hein. Ensuite, pour les fards, bah écoutez, ça a plutôt bien tenu. J'ai pas de problème de ce souci-là. Après, je pense que la paupière est assez, enfin, a été assez grasse à la fin de la journée. Et vous voyez ici, ça n'a pas filé dans le pli ici de la paupière. Donc ouais, au niveau de la tenue des fards, il n'y a aucun souci. Ensuite, ici, le crayon. Bah ouais, pas de souci non plus, hein. Moi, je vois pas de problème particulier. Le rouge à lèvres, écoutez, j'en ai encore quelques traces. Vous voyez, ça a rosé vraiment. Mais bon, comme je vous dis, ça fait plus de 12 heures maintenant. Donc, on va pas se plaindre, hein. Mais à 5 heures, donc 17 heures, parce que j'ai mangé tard. J'ai mangé vers 15 heures. Parce que voilà, j'ai eu, comme je vous dis, une grosse journée. Donc, j'ai déjeuné vers 15 heures et après le déjeuner, j'en avais encore, hein. Donc, et pourtant, c'est pas spécifique, il est très très haute tenue hein, celui-là. C'est pas comme les encres à lèvres d'imitation L'Oréal. Mais il a vraiment très bien tenu ce rouge à lèvres. J'étais vraiment contente et la couleur est pas mal. Et par rapport à l'encre à lèvres de la même marque, donc Catrice toujours, l'encre à lèvres elle plisse. En fait, elle glisse dans les plis et ça fait très pas beau. Très pas beau. Pardon, ça fait vraiment pas joli et du coup, non, non, franchement, la tenue de ce rouge à lèvres là pour un ultimate color est vraiment pas mal. Je recommande, les rouges à lèvres sont super sympas. Et puis ensuite, ben, blush, ouais, il a une belle couleur. Ça a pas migré, ni filé, ni. Non, ça va, ça a bien tenu quand même, on peut pas dire le contraire. Surtout que je me suis touchée plusieurs fois dans la journée, etc. Donc bilan positif, c'est juste le fond de teint quoi. Je sais pas si vous verrez correctement ici, mais ça vraiment, c'est le fond de teint qui tient pas énorme. Donc voilà. Après pour ce qui est du mascara, il a quelques pluches. Il a fait pas mal de pluches en fait en dessous là. Donc ouais non, ce mascara tient pas aussi bien que le méga volume collagène. Donc c'est mon deuxième test mascara sur l'ensemble de la gamme L'Oréal que j'ai racheté pour ben, faire un bilan de tous les mascaras. Et c'est vrai que c'est pas celui-là que je retiendrai en particulier. Ensuite le crayon de la marque Essence. Bon il est parti en muqueuse hein, parce que voilà hein, en même temps donc il est parti en muqueuse. Mais il a bien tenu en fait en ras de cils et il n'a pas bavé en ras de cils parce qu'en général, quand il y a certains crayons qu'on achète et vous savez, on le met en ras de cils et en fait, tu te retrouves à la fin de la journée avec une grosse auréole noire comme ça ici et que c'est disgracieux au possible. Non, là, j'ai pas de problème de ce côté-là. Donc, je vous rappelle, donc les points forts, c'est les fards qui tiennent bien. Donc, la base, je suppose, la base qui tient bien. Le rouge à lèvres, franchement, qui a une bonne tenue pour le prix, c'est un top. Et un flop, ben le fond de teint, je dirais. Alors, est-ce que c'est la base qui n'a pas fait tenir le fond de teint? Parce que si j'avais utilisé le fond de teint peut-être tout seul,
Il aurait peut-être tenu plus longtemps. Quoi qu'il en soit, j'ai pas un teint parfait 14 heures plus tard. Mais en même temps, il le prévoit que sur 8 heures, pas 14. Donc voilà quoi. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo crash test hein, vous aura plu. C'est la deuxième que je fais. Donc n'hésitez pas à me commenter la vidéo pour que je sache si je continue ou si j'arrête, hein, tout simplement. Parce que les vidéos, je vous rappelle que je les fais pour vous. Donc n'hésitez pas à me laisser des sujets de vidéos à faire, hein. Il n'y a pas de problème, je les ferai sans hésiter. Et sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao. Have you ever felt? Are you listening? Damn.